Ronald, bonjour. Aujourd'hui, dimanche 26 mai 2013, est un jour spécial, un jour dédié à Dieu. Il a dit dans ta parole, Exode 20, versets 8 à 11, que tu travailleras 6 jours durant et le 7e jour, tu me le consacreras. Les fidèles de l'église Médin Christou Zébi de la paroisse de Morofé à Yamsoukro n'ont pas failli à cette tradition. Ils se sont mobilisés pour être là ce matin-là, ce dimanche, afin de magnifier le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, nous sommes à un culte ordinaire, ordinaire prophétique. Et l'oratrice du jour est la prophétesse Yvonne Dessan, qui va nous entretenir sur un thème très important, il fera. Nous souhaitons un bon culte à tous et à toutes. Tu as été irrité contre moi.
Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Le verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Que Dieu bénisse sa parole. Et donc le thème de la prédication, c'est la reconnaissance à Dieu. La reconnaissance à Dieu. Parce que Dieu est bon. Nous avons commis plusieurs péchés. Et moi-même qui suis au-devant de vous, mes péchés sont plus nombreux. Mais Dieu n'a pas tenu compte de mes péchés. Il a eu compassion de ma vie. Il m'a appelé. Et la même compassion que Dieu a eu pour ma vie, qu'il ait la même compassion pour vous. Et donc les souffrances envahissent nos vies. Dieu nous a envoyé son serviteur pour que les misères et les souffrances à travers ses prières que Dieu nous délivre. Et à travers ses prières, Dieu a délivré plusieurs personnes. À travers ses prières, certaines personnes sont encore en vie. Les grandes maladies nous ont touchés. Nous sommes tombés dans la force de la mort. À travers ses prières, de la force de la mort. Et donc nous devons dire merci à Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Il n'y a pas de jour pour exprimer sa reconnaissance envers Dieu. Il n'y a pas de limite. Amen. Amen. Les gens du monde, quand ils tombent malades et ne connaissent pas Dieu, ils se soignent. Ils se soignent avec des feux. Et celui qui réussit à guérir, on va lui donner ce qui lui va de droit. Mais même jusqu'à présent, on continue de dire merci à celui. Qu'en est-il de Dieu? Dieu qui nous a guéris, lui, il continue de nous guérir tous les jours. Et quand Dieu guérit personne, et vraiment, ça ne s'arrête pas seulement à la guérison. Ça ne s'arrête pas seulement à la guérison qu'il nous accorde. Il nous donne la paix continuellement. Elle nous bénit. Aujourd'hui, parce que tu es tombé malade, tu es devenu pauvre. Mais quand notre papa a prié, que Dieu nous a guéri. Quand l'ennemi vient me séduire. Grande croisade d'évangélisation. Jésus guérit. Je suis tout. L'église Made in Christ Source de Vie organise une grande veillée de prière. Date le vendredi 6 décembre 2013 de 21h à l'aube. Orateur, le révérend prophète Marcel Conan de la Côte d'Ivoire et l'évangéliste Emmanuel Maëlin de la France. Lieu Yam Sokro, place Jean-Paul II. Jésus guérit les malades, ressuscite les morts, purifie les lépreux et chasse les démons. Infolal 01 20 57 13 07 76 41 24. Ma guérison, Jésus.